La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Je viens vous parler de démocratie, mais de la vraie, celle qui n'existe pas du tout, et celle qui, je crois, serait capable de nous sortir du pétrin. Je me suis réveillé politiquement à l'occasion d'un débat public en France, où on nous consultait sur une prétendue constitution. Le référendum sur la constitution européenne. Absolument. Les Français votent non, mais finalement, on l'adopte quand même. C'est-à-dire qu'on oppose à la souveraineté populaire la souveraineté des représentants du peuple, comme si la souveraineté des représentants du peuple était au-dessus de la souveraineté populaire. Je regarde Zemmour qui vous écoute. Ah, mais c'est parce que le peuple est con aussi. Non. Le peuple, par exemple, on lui demande de dire oui, il dit non. Oui. Alors on leur dit, allez, on vous repose la question, mais soyez pas cons cette fois-ci. Voilà. Un Français sur quatre, ce qui n'est pas mince, 24% des Français estiment qu'un autre régime ou un autre système politique, eh bien, ce serait tout aussi bien. La démocratie, c'est quand même l'élection. Non. Ah si. Non, ah, si. La démocratie, démos en grec, kratos en grec, ça veut dire le pouvoir du peuple. Ah, oui. D'accord, non mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Dès l'Antiquité, mais avec la modernité aussi, avec des gens comme Spinoza par exemple, ou Rousseau, Montesquieu et d'autres, ils distinguent l'élection de la démocratie. Pour eux, l'élection... Si on doit voter pour se nommer des maîtres, finalement des chefs, des dirigeants, c'est qu'on va identifier les meilleurs, logiquement. C'est qu'on considère que nous ne sommes pas tous égaux pour décider et on doit s'en nommer quelques-uns. Et donc, c'est un processus, l'élection est un processus aristocratique. Évidemment, c'est pas une aristocratie comme on l'entend généralement de père en fils, une aristocratie héréditaire par le sang, mais c'est une aristocratie élective, une aristocratie élue. D'abord, je suis pas un citoyen. Un citoyen, c'est autonome. Ça vote... il vote lui-même ses lois. Moi, je suis un simple électeur, c'est-à-dire je suis hétéronome. Je subis la loi écrite par quelqu'un d'autre. Nous appeler citoyens, c'est nous payer de mots. On se la pète, mais on n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cette démocratie ? Dans cette prétendue démocratie, qu'est-ce qu'on a comme droit ? On a le droit de désigner des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. On les désigne parmi des gens qu'on n'a même pas choisis. En plus, c'est les plus riches qui les choisissent. Et quand ils, dans le cas éventuel où ils nous trahissent au dernier degré, on n'a pas le moindre moyen de résister. Vous le voyez ici, donc les PME, l'armée, la police, les niveaux de confiance sont élevés. Et surtout, derrière, c'est la dégringolade. 23% seulement de confiance pour les députés, 23% également seulement de confiance pour les médias. Ah, les médias, oui. Et 8% de Français seulement qui font confiance aux partis politiques. 8% de Français qui font confiance aux partis politiques. Et vous la partagez, cette défiance, dans les gens qui nous gouvernent aujourd'hui ? Il y en a que vous aimez bien, d'autres que vous aimez moins ? Non, mais je suis vraiment contre la démocratie représentative. C'est un régime qui doit cesser. Donc, quel que soit le gouvernement en place, ça ne changera rien pour moi. Enfin, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut rendre... Vous savez, c'est bizarre, parce que la Révolution française s'est faite en grande partie sur les idées de Rousseau, qui ne reconnaissait qu'une seule forme possible de démocratie, c'est la démocratie directe. Donc, tout ça a été très rapidement confisqué, et le pouvoir n'est jamais revenu à la population. La France n'est pas une démocratie ? Ben non, c'est pas élire des gens de temps en temps qui fait une démocratie. Quoi. C'est au moment de voter sur les projets. On n'arrive même pas à formuler la solution. On a besoin de la démocratie, mais on n'arrive pas à le dire, puisque le mot est pris par son contraire. C'est génial d'avoir inversé les mots. C'est du Big Brother, absolument. Hein. Ça ne s'est pas passé par hasard. C'était pas bien au début, en 1789, quand ça a commencé il y a 200 ans, et puis ça ne s'est pas dégradé. C'est pas du tout ça. Sieyès, un grand penseur de la Révolution française, une pointure, hein, je ne vous parle pas d'un second couteau, écrivait en 1789 « Les citoyens qui se donnent à eux-mêmes des représentants doivent renoncer à faire eux-mêmes les lois. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, c'est toujours du Sieyès, hein, le peuple, je répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Maintenant, ce gars-là n'était pas un démocrate. L'autorité, c'est la force qui obtient une obéissance consentie. Hein. La force qui obtient une obéissance consentie.
Alors comme le mythe royal est en train de se défaire en France, on l'a vu à plusieurs reprises, il faut substituer à ce mythe royal un autre mythe qui sera le mythe du suffrage universel, c'est-à-dire le mythe de la volonté nationale. Et cette fois, ça sera extrêmement puissant comme rempart. C'est la volonté nationale elle-même qui décide qu'il faut faire une république, par exemple, conservatrice. Alors quiconque se soulèverait contre un gouvernement républicain se soulève contre la liberté, puis c'est la liberté qui s'est exprimée et qui règne à l'aide du suffrage universel. Alors vous voyez quel attentat monstrueux. On peut mobiliser toutes les forces nationales contre ceux qui prétendaient lutter contre un gouvernement dit démocratique. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la volonté nationale? En fait, c'est la majorité. Hein. La majorité du suffrage universel, c'est-à-dire la moitié plus un. Ben, c'est très facile d'obtenir la majorité au suffrage universel quand on sait s'y prendre. Et il en apporte deux exemples, monsieur Thierry. Mais regardez donc ce qui s'est passé en avril 1848. Regardez ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer le 8 février 1871. C'est la première fois en 1948 qu'on lançait tous les Français, y compris les pauvres, dans un suffrage. On leur donnait le droit de vote. Il y avait des gens qui en étaient épouvantés en se disant qu'est-ce qui va en sortir. Il en est sorti. Eux, une chambre admirable, moins belle que celle de 71, mais la chambre d'avril 1848, elle était conservatrice à bloc. Et maintenant, vous voyez ce qui vient de sortir? Une chambre en or, enfin, une chambre où ce sont vraiment les possédants qui sont les maîtres. Alors que pouvez-vous désirer de plus? Si vous regardez le profil socio-économique des gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de pauvres. Ce sont généralement des gens qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont une profession, profession libérale. Ce sont des avocats, des notaires, des notables. Il y a une idée qui fait son chemin. Sans doute que c'est une pratique qui existe depuis longtemps. C'est de tirer au sort des citoyens et de les nommer sur des comités pour qu'ils prennent des décisions au lieu de fonctionner avec des élections. Oui, donc à Athènes, justement, dans Athènes de l'Antiquité, comme on avait cette idée que tous les citoyens sont égaux d'un point de vue politique, on se disait on n'a pas besoin de voter pour choisir les meilleurs d'entre nous, puisque en principe, on se considère à peu près égaux, et donc on va tirer au sort. Le tirage au sort à Athènes, il donnait un tout petit peu de pouvoir, pas longtemps, et jamais deux fois de suite, avec plein de contrôles qu'il faudrait prendre le temps d'expliquer, ce qui fait que les Athéniens... Ils donnaient ce petit peu de pouvoir pour le garder pour eux. C'est pas les tireurs au sort qui votaient la loi. Les tireurs au sort, ils faisaient la justice. Ils appliquaient les lois. Ils faisaient les préparations des lois, parce que les Athéniens, en assemblée, ils pouvaient pas préparer les lois. Et parce que les représentants étaient affaiblis par le tirage au sort, les citoyens avaient la garantie qu'ils restaient le souverain. Par rapport à la démocratie directe, il y a beaucoup de gens qui participent à ça et qui ont pas seulement des éloges à transmettre, mais aussi des critiques. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est long. L'argument du temps, c'est un vrai problème. Effectivement, une assemblée, ça prend du temps. Et c'est beaucoup plus rapide, en fait, quand des gens prennent des décisions pour vous. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. On appelle ça une dictature. La dictature est sans doute le système le plus rapide. Et si c'est le temps qui est le barème d'efficacité en politique, la dictature, c'est vraiment génial pour ça. Ça va très, très, très vite, une dictature. Peut-être que pour être égaux et libres politiquement, il faut avoir du temps. Le capitalisme, si vous pouvez nous faire travailler tout le temps, il nous ferait travailler tout le temps. Il n'y a pas de problème, c'est à peu près ça qu'il faisait au 19e siècle. Et donc, évidemment, là, vous n'avez pas de temps. Et donc, comme on est convaincu que c'est ça qui est le plus important, on pense que se retrouver ensemble pour parler de politique, on pense que c'est de la perte de temps. Ce qui est curieux, en fait, parce que c'est le moment où on est libre politiquement. Le travail disparaît. Le travail disparaît, le travail s'en va. Et c'est une chose qu'on a voulu. Moi, j'ai vécu dans les années 50, on expliquait ce que serait l'an 2000. On ne travaillerait plus, on aurait été remplacé par des robots, on serait remplacé par des machines. On irait à la pêche avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça qu'on voulait. Pourquoi? Parce qu'il y avait du travail extrêmement monotone, il y avait du travail extrêmement dangereux. C'était un travail qui épuisait les gens, qui faisait qu'ils devaient s'arrêter de travailler à 40 ans et à 50 ans. On a voulu ça. On n'a pas pensé en même temps que les gens, la plupart des gens, ceux qui ne reçoivent pas simplement leur argent du capital, c'est-à-dire en faisant travailler les autres, que les autres, il faut qu'ils aient des revenus. Sismondi, un des inventeurs du socialisme, un Suisse, il dit la chose suivante. Toute personne qui sera remplacée par une machine aura droit à une rente à vie à partir de ce moment-là. Il est remplacé par la machine, il est sauvé, il faut qu'il reçoive une partie de la richesse créée par cette machine. Où va cette richesse qu'on a créée depuis les ordinateurs, les robots et tout ça? Elles vont aux investisseurs, aux actionnaires des entreprises. On se demande comment ça se fait, c'est une curiosité. C'est tellement bizarre que le chef d'entreprise au début du 19e siècle, il gagnait 30 fois plus que son employé le moins bien payé. Maintenant c'est 450. D'où ça vient? Mais c'est l'argent qu'on n'a pas donné aux autres, c'est vraiment pas très compliqué. Salut. Dès qu'il y a un système de domination politique,
vous allez avoir de la concurrence plutôt que de l'entraide. Et un bon exemple, évidemment, c'est le système électoral. Les candidats luttent les uns contre les autres avec leur camp, leur parti, leur faction, pour s'emparer du pouvoir. Et donc, c'est totalement contre-productif d'avoir comme ça une mise en concurrence d'individus ambitieux qui sont assoiffés de pouvoir et qui veulent avoir nos votes et nos suffrages. Et Kropotkin, lui, en fait, est allé voir en Sibérie et ailleurs, dans l'histoire aussi de l'humanité, et il a constaté qu'en fait, la majorité des êtres vivants progressent beaucoup mieux si elles s'entraident, plutôt que si elles sont en concurrence. Et donc, l'entraide est aussi un facteur d'évolution, contrairement à ceux qui ont mal lu Darwin, qui pensent qu'on est toujours tous en concurrence et qu'on le sera toujours tout le temps. Tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours, Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser, pas du tout. La Constitution, tous les citoyens devraient savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la Constitution, ben pourquoi pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes ? Ben sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Enfin, un enfant comprend ça. Donc l'idée centrale, mais vraiment c'est une idée essentielle, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et ce n'est pas à eux, il ne faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir, ils ne renonceront jamais, la solution ne viendra pas d'eux, elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Ça, c'est vraiment l'idée, à mon avis, l'idée essentielle qui nous manque. Il faut que vous connaissiez cette pensée d'Alain, qui est un penseur formidable, qui disait « Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Si les gens bons ne veulent pas gouverner, et qu'on donne le pouvoir, comme dans le gouvernement représentatif, à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. Ce piège qui est désespérant d'Alain, Alain, il a raison quand il dit ça, il a raison dans le gouvernement représentatif. Parce que tant qu'on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, tous les gens qui sont justes, qui sont bons, qui ne veulent pas du pouvoir, on ne les aura pas. Il y a actuellement une idéologie à peu près dominante, qui consiste à dire à peu près l'histoire politique de l'humanité est terminée. Nous avons trouvé la société parfaite. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais c'est tout ce que l'humanité peut donner. Alors, si on fait la liste de tout ce que l'humanité peut donner, avec la situation actuelle, avec les ventes d'armes à l'Iran, avec le Iran Gate, avec la mort par inanition d'une énorme partie du tiers-monde, avec la rivalité entre les deux grands, quels que soient les accords qui passent, etc., etc., qui peut d'un moment à un autre déboucher à une catastrophe, avec les problèmes écologiques fantastiques qui existent. Bon, on s'aperçoit que cette position, l'histoire politique de l'humanité, serait terminée, qu'on a trouvé la forme parfaite, est absolument inacceptable. C'est qu'il nous faut autre chose. Et cette autre chose ne pourra être à la mesure des problèmes qui se posent que si, effectivement, il y a un changement des attitudes de la population, du peuple, des gens, de vous, de moi, des autres. C'est-à-dire qu'ils comprendront qu'il y a quelque chose qui s'appelle la chose publique, et cette chose publique n'est pas ce monstre qui est dans un coin. C'est nos affaires, que ça nous concerne, et que si on s'en occupe, ça nous retombera sur la tête, dans le cas extrême sous forme de bombe nucléaire, dans d'autres cas sous d'autres formes. Allez sur le message.org qui a été fait par l'un d'entre vous. Il me semble que nous devrions, comme des virus à la base, sans attendre que des médias ou des gens puissants se passent quelque chose, il faut qu'à la base, nous passions le mot entre nous en disant « il faut plus que l'Assemblée constituante soit élue, il faut absolument que l'Assemblée constituante soit tirée au sort ». C'est de là tout va découler.